Bienvenue à tous et merci d'être avec nous ce soir. En direct complet, c'est Balle au Centre. Avec les sujets de la semaine, vous les connaissez déjà. Souvent, on entend dire quelle boucherie. La corrida, est-ce une tradition? Et en tout cas, c'est une tradition qui laisse un goût amer. Nous allons en parler dans quelques instants avec mes invités qui sont là. Et puis, il y a de plus en plus de fans dans l'arène. Et j'ai des invités qui viennent de France et qui nous raconteront comment cela se fait. Til, voilà, Til, pas mal ça. Brigitte Bardot, mise à nu, elle raconte tout dans ses mémoires, elle balance tout le monde, elle vous dirait aussi tout à l'heure ce que vous en pensez. Puis le doc, les confidences de vos enfants, de vos jeunes, passent sur une radio périphérique, sur Fun Radio, vous ne pas la citer. Le doc, un médecin pas comme les autres, reçoit les confidences de vos enfants. Mesdames, messieurs, dans le camp des fans, je vous présente tout de suite Mademoiselle Marion, comédienne. Mademoiselle. Brigitte Durruty, directrice d'agence de mannequins, l'agence de mannequins New. Elle est auteure prolixe de best-sellers, Jeannine Boissard. Elle s'appelle Monique Malric, elle nous arrive de Montpellier, elle est présidente du fan club de la Torero Marie Sarah. Sophie Charlotte, vous connaissez sa voix, voilà son visage maintenant. Sophie Charlotte, animatrice sur Belle RTL chaque après-midi. Elle était la belle Marion dans Classe Mannequin. Elle nous arrive avec un livre qui s'appelle La vie amoureuse des stars. C'est Christine Lemler, bonsoir. Voilà les six femmes. Pour les six hommes, attention, voici Sam Christophe, journaliste à la Nouvelle Gazette, La Province et La Meuse. Bonsoir. Il nous arrive de Nîmes où il exerce la profession de torero, Stéphane Fernandez Meca. Bonsoir. Bonsoir. Directeur et dompteur aussi Bouglione, c'est la sixième génération, Alexandre Bouglione. Bonsoir. Parmesan autour de toi, le groupe Stella, Jean-Luc Fonck. Un des papas de Tibet, André... un des papas de Ricochet avec Tibet, André-Paul Duchâteau. Bonsoir Hervé. De Namur, il connaît tout. Ça va qu'on se biasse. Albert Olive. Et pour la synthèse de vos appels téléphoniques, car nous avons mis une ligne à votre disposition, pour la synthèse aussi des avis des spectateurs qui sont ici sur ce plateau, Mademoiselle Bérénice, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Hervé. Alors, vous les téléspectateurs, eh bien vous pouvez donner vos avis sur ce qui va se dire au téléphone le 0900 00210, et nous avons également un fax le 02 773 48 85. Autrement dit, vous intervenez donc en direct dans cette émission quand vous le désirez, à tout moment. Premier sujet de la soirée, un sujet difficile, la corrida. Nous allons en parler tout de suite. Fans dans l'arène, les premières images que nous vous proposons ne sont pas tout à fait simples, regardez-les. Gracias.
La corrida, les fans dans l'arène. Alors c'est vrai que quand on voit ces images, c'est un petit peu difficile, sang et lumière se mélangent. Je voudrais que vous nous fassiez, vous nous disiez, vous, le torero, pourquoi vous aimez la corrida? Pourquoi on aime la corrida? Tout simplement, ça peut paraître paradoxal et presque on n'arrive pas à le croire, les gens qui aiment pas ça et qui comprennent pas la tauromachie. Mais d'abord, on aime la corrida parce qu'on aime le taureau. C'est vrai que c'est un amour un peu spécial, on peut voir ça. Mais bon, on aime le taureau avant tout. Et on aime cette ambiance, on aime l'affrontement avec le taureau, on aime taurer le taureau. Plus que de le mettre à mort, en fait. En fait, notre première passion, c'est de s'enrouler ce taureau autour de soi pendant 10 minutes, à rappeler rouge, qui n'a aucune force, mais tout se fait par la technique et la force du poignet et l'intelligence. Donc la passion pour un torero, c'est ça. Après, il y a tout le folklore et tout ce qu'on peut dire à côté de la corrida, mais la base première, l'intérêt majeur du torero, c'est la faena avec le taureau. Et c'est l'amour du taureau, c'est vrai que c'est un petit peu difficile à entendre, parce que pour nous, la mort du taureau est terrible pour nous quand même. Je comprends que c'est très contradictoire. Alors est-ce qu'il faut être du sud véritablement pour aimer la corrida? Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Je voudrais avoir l'avis de Sandro Buglione sur la corrida. Je suis pas amateur de corrida, pas du tout. Mais je pense que bon, il a un beau métier, il lui plaît beaucoup. Mais je crois qu'on pourrait le faire sans tuer le taureau. Marion? Ben moi, je comprends très bien un torero qui dit d'abord c'est l'amour du taureau, parce que je me dis qu'après tout, il y a des assassins qui tuent leurs femmes qu'ils aiment beaucoup. C'est dur, ça, ouais. Oui, c'est dur, mais je crois que ce qu'il vient de dire, et je me demande s'il est tout à fait conscient de ce qu'il vient de dire, parce que, étant donné qu'il aime le taureau, je crois que c'est un amour un peu aveugle, parce que... Enfin, je suis pas d'accord du tout. Non, n'attaquons pas M. Fernandez, parce qu'on parle de la corrida, on est bien d'accord. Hein. Je n'attaque pas lui, j'essaye de comprendre comment il voit les choses, ouais. et j'ai pas encore compris. Je sais pas, André Piolle du Château, Janine Boissard, après André. Oui, mais c'est un spectacle fascinant, hein. C'est vrai, j'ai assisté à des corridas, pas beaucoup, et j'ai à la fois été horrifié et étonné par le courage des toreros. Mais malgré tout, je suis contre la corrida, parce qu'il y a trop de choses effrayantes et trop de malheurs en ce qui concerne les animaux, de toute façon, qui sont sacrifiés. Ce qui est curieux, M. Fernandez, c'est vrai que dans le sud de la France, en Espagne, on tue le taureau, mais au Portugal, par exemple, on ne tue pas le taureau. Non, non, non. Au Portugal, il y a des corridas, effectivement, qui se déroulent. Ce sont des corridas. La seule différence, c'est qu'à la fin, on n'a pas le droit de tuer le taureau. Donc le taureau rentre. Est-ce que c'est mieux quand on tue le taureau, mais alors? Je crois que c'est mieux, mais je crois que la corrida... Quand on va voir une corrida, c'est pas le côté barbare, on va pas voir une corrida pour voir un taureau qui est mis à mort. Comme on l'expliquait tout à l'heure, on va voir une corrida parce que je crois qu'il y a une culture derrière, il y a plein d'autres choses. Et moi, je trouve que c'est beaucoup moins barbare d'assister à une corrida. Enfin, quand je vais voir une corrida, j'ai pas du tout l'impression d'être quelqu'un de dégénéré qui va assister à une mise à mort. Et je trouve qu'il y a une violence qui est beaucoup plus extrême quand on peut regarder des gens qui se tapent dessus à un match de football qu'assister à une corrida. Et on... Mais quand c'est un match de football, les gens, ils vont assister, ils se tapent dessus, bon, ils savent ce qu'ils font, ils sont responsables. Le taureau, il n'a rien demandé. Oui, mais... Mais le bœuf qu'on va manger, qu'on va amener à l'abattoir, rien demander non plus, on va le manger. Normalement, alors c'est sous prétexte qu'on va le voir. C'est ça qui dérange, le fait qu'on va le voir. C'est pas un beau spectacle, ça. Mais si, c'est un très beau spectacle. Mais on voit, c'est pas la souffrance. On voit pas la souffrance. Il perd toujours le taureau. Il n'a aucune chance. Il entre, il aime le bœuf qu'on mange. Il perd toujours aussi. Le canard qu'on mange. Moi, ce qui m'a beaucoup, j'ai assisté à quelques corridas et j'avoue que j'ai pas mal supporté. Le spectacle est beau, l'habit est beau, il y a un courage formidable. Mais ce qui m'a mise très mal à l'aise, c'est justement les spectateurs. Cette espèce de grande excitation, malgré tout, autour de la mort. Est-ce que, justement, c'est une bonne question, je vais peut-être la poser à Monique Madric. S'il n'y avait pas les spectateurs, s'il n'y avait pas la foule, est-ce que le spectateur... Je voudrais revenir quand même depuis le début. Vous répondez à ma question après. Parce que, bon, là, nous sommes deux, pratiquement, peut-être trois. On parle de la corrida, on vous attaque pas, vous, personnellement. On comprend très bien, vous êtes pratiquement tous contre la corrida, et je suis parfaitement d'accord avec vous. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui sont pas dans une région comme la nôtre, quand on n'a pas reçu cette culture de ses grands-parents... Expliquez-nous, madame, alors comment aimer la corrida. Écoutez, bon, je suis pas venue là pour vous donner envie
d'aller voir les corridas, pas du tout. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on m'empêche de l'aimer. Oui, et que, voilà, hein, parce que chacun sa culture. Ma grand-mère m'a amené voir la corrida, comme c'était celle de Stéphane, très certainement, quand j'étais toute petite. Et je suis fascinée par la corrida. Donc, bon, c'est vrai que tous, vous ne me convaincrez pas, mais je ne suis surtout pas là pour vous convaincre. Ça, soyez-en persuadés. Mais bon, dire que le taureau, bien sûr, le taureau, il y a la mort du taureau. Et ça, je vous comprends très bien. Mais il faut savoir quand même que ces taureaux sont élevés uniquement pour la corrida. C'est-à-dire qu'ils n'existeraient pas s'il n'y avait pas la corrida. Ce sont des taureaux qui sont élevés en Espagne, qui sont élevés uniquement pour ça. Ils sont élevés pendant 4 ans, ils sont adorés pendant 4 ans pour la corrida. Alors c'est vrai, je vous comprends très bien, mais c'est ça. Au départ, le taureau n'est pas un animal de combat tout de même. Attendez, au départ, depuis Minos, c'est quand même un animal de combat. Qui combat pour se nourrir. Écoutez, moi je comprends très bien que les... Le taureau, quand il rentre dans une arène ou quand il est même dans l'herbage, il est dangereux. Donc un jeune garçon comme Stéphane qui a 28 ans, qui se met en face d'un taureau, ou une fille comme Christina Sanchez ou comme Marie-Sara, elle se met en face d'un taureau qui a 700 kilos. Et quand j'entends tout à l'heure quelqu'un dire, bon, je ne sais plus quelle personne a dit, le taureau n'a aucune chance, bon, mille regrets, vous avez vu tout à l'heure comment Christina Sanchez est partie en l'air. Et bon, on a des exemples de Nîmois qui s'appelle Nîmeño, qui est quand même mort dans les arènes d'Arles. Bon, on a des exemples très souvent. C'est pas une mort inutile, madame. Écoutez, peut-être, mais qu'est-ce qui est... Tout est inutile, l'art est inutile. Oui. Hein? Pour vous, c'est un art. La corrida est un art. Pour moi, c'est un art, ce n'est pas un sport. Quand vous comparez un match... Écoutez, je ne suis pas pour... Mais quand vous parlez d'un match de foot, c'est totalement différent. Quand vous allez voir un match de foot, il y a de la violence quelque part, alors qu'elle n'est pas dans les arènes. Quand vous avez... Eh bien oui, mais je suis désolée, je comprends. Elle n'est pas dans les arènes. Elle n'est pas présente dans les arènes. Même s'il y a le drame, il y a la mort du taureau, et je suis d'accord avec vous. Tout ce que vous voulez. Peut-être que si j'étais née en Belgique, j'aimerais pas la corrida. Mais je suis désolée, je suis née à Nîmes. Et j'adore la corrida. Ça fait vraiment partie d'autre culture. Oui. Voilà. Je crois qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure en Suisse. Attendez. Si on devait déplacer une corrida à Bruxelles, ça n'aurait pas de sens. Ça a du sens que dans le sud de la. Mais non, ça serait quand même ridicule, ça serait déplacé. Brigitte, merci. Jean-Luc. Jean-Luc Fonte. Oui. Je voulais demander, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'arranger un truc si tu veux que le taureau n'est ni blessé ni tué, qu'il peut participer plusieurs fois et que ça devienne un jeu. Non, mais un jeu où le taureau est lui-même entraîné aussi. Dans toute notre région, il y a des courses bovines où simplement on enlève la cocarde du taureau. Bon, ben ça, chacun aime ou n'aime pas. Je vais de temps en temps voir des courses. Mal avant de mourir, mais vous savez, la corrida, par exemple, moi je suis présidente du club Marie-Sara. La corrida à cheval, c'est encore qui autre chose. Qui devait être là, c'est dommage qu'elle ne soit pas là. Ouais. C'est bien dommage qu'elle ne puisse pas me répondre. Parce que d'abord, elle est très belle en plus. Et bon, je pense que ces messieurs auraient fait déjà un petit peu plus. Et puis elle serait venue peut-être avec M. Lecomte, son mari. Certainement. On aurait parlé de tennis. Mais en fait, bon, c'est vrai que c'est très dur. Je vous comprends très bien. Je voudrais demander, Mme Alric, à M. Fernandez. Écoutez, j'ai lu en préparant cette émission des choses sur le taureau qui me paraissent assez surprenantes. Vous me dites si c'est vrai ou pas. J'ai lu par exemple qu'on coupait les cornes du taureau à et qu'on mettait ses cornes à vif. C'est-à-dire que ça faisait une douleur comme le nerf dans une dent à vif. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Non, c'est totalement faux. Voilà, je voulais le savoir. Comme ça fait du bien. J'ai reçu l'avis d'un taureau, exactement, qui disait ça. Et parce qu'il n'y a pas de taureau ici, pour s'expliquer. Mais moi, je me posais la question aussi. Voilà. Alors, moi, j'imaginais le taureau. J'ai un message du taureau. Avant de mourir, devant 5 000 ou 10 000 personnes, quelles sont les questions qu'il doit se poser? Moi, j'ai un message du taureau. Alors, vous me direz si c'est trompé ou si c'est pas trompé. Vas-y, Marion, je suis tout à fait impartiale. C'est le taureau qui m'a raconté sa petite vie. Pas trop long, je vais aller très vite. Hein. C'est la mort d'un taureau de combat. Dit de combat, car en réalité, mes congénères et moi n'avons jamais eu envie ou le plaisir du combat avec les hommes. Nous sommes des bêtes paisibles. Vous le laissez parler parce qu'il est mort, celui-là. Hein. C'est l'homme qui nous veut méchants. Tiens, moi, quand j'étais vraiment tout petit, quand on m'a séparé de ma mère, c'était une première souffrance. Et puis après, c'est une première tortue, puis on m'a élevée à la dure. Avec des punitions. J'avais rien fait, mais il fallait me punir pour me rendre un peu plus excité, plus agressif. Alors, c'est vrai que j'ai été très bien nourrie, même que dans ma nourriture, il y avait des fortifiants, des trucs chimiques qui font gonfler les muscles, genre anabolisant qu'on donne aussi à certains hommes dans les arènes olympiques. Vous voyez de qui je veux parler. Oui. Et pour être costaud, c'était vraiment... Vite Marion, ne monopolisez pas la parole. D'accord. Eh bien, arrivé à destination, parce que j'avais fait un long voyage pour arriver où je devais arriver pour le show, on a coupé mes cornes, c'est ce qu'on t'a dit aussi. Ça ne fait pas du bien, croyez-moi. Mais pour que le public ne le remarque pas,
à la place de, des trucs qu'on a enlevés, on met de la résine molle pour que ça fasse pas trop mal quand même, d'après les esthéticiens de service. Et puis on l'a laissé tout seul pendant une nuit, je ne vais même pas lire parce que Vous êtes ému, on voit bien. On voit que vous êtes ému, Marion. Laissez. Il bouge beaucoup le taureau, et j'aimerais bien demander. Calmez un petit peu votre émotion, Marion, et puis on revient sur vous dans un instant. C'est pas mon émotion, c'est ma rage. Mais j'ai rage. Il a dit qu'elle fait une chanson formidable qui s'appelle La Corrida, et justement, il s'est mis à la place du taureau, et il a dit une phrase très belle, je trouve. Je ne pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal à, il dit qu'il à me réjouir du spectacle de la mort aussi. Qu'après, ne dit pas spécialement qu'il n'aime pas La Corrida. J'ai lu des interviews. Non, mais dans cette chanson, est-ce que ce monde est sérieux? On va aller voir Bérénice pour savoir l'avis des téléspectateurs qui nous regardent, qui nous appellent et les fax qui arrivent. Voilà, alors j'ai plein de fax qui arrivent. J'ai tout d'abord fait un sondage avec le public ici présent. La corrida, un acte barbare ou un art? C'était la question que je leur ai posée. Alors 84% estiment que c'est un acte barbare et 16% estiment que c'est un art. J'ai également l'avis de Henriette de Namur, qui est mère d'enfants et qui se dit choquée par ces spectacles. On ne respecte plus rien. Comment inculquer des valeurs morales à mes enfants quand l'homme tue de sang-froid un animal innocent avec plaisir et c'est devant un une assemblée euphorique? Un homme, un avis d'homme. Un téléspectateur au 0900 00 210 et qui nous a dit « Je suis tout à fait pour, dans la mesure où cela fait partie des rituels et de traditions spécifiques à un peuple. » Culture, ça. Alors, allez-y, je vous en prie. Oui. À la maman de deux enfants, j'ai aussi deux enfants, qu'elle soit tout à fait tranquillisée. Je n'ai jamais vu, à la sortie d'une corrida, quelqu'un commettre un acte barbare. Je n'ai jamais vu de gens excités au point de taper sur quelqu'un, au point d'avoir une espèce de violence cachée à la sortie d'une corrida. Je n'ai jamais vécu ça. Je l'ai vécu à la sortie de matchs de football. Je l'ai vécu devant des gens qui passent des heures devant la télévision. Je l'ai vécu avec des gens qui vont assister à des matchs de rugby. Je crois que la corrida n'est pas quelque chose qui crée des barbares. Certainement pas. Ce ne sont pas des barbares qui vont voir la corrida. Elle peut être tout à fait tranquille. Ses enfants, ce n'est pas ce côté-là qui aura un problème. Stéphane Fernandez. Un dialogue de sourds. Parce que nous, est-ce qu'on a vraiment les clés pour comprendre ce qu'est une corrida? Parce que finalement, il y a toute une symbolique là qui nous échappe un petit peu. Alors bon, est-ce que peut-être vous pourriez un peu dire, je suppose qu'il y a des symboles sexuels et autres. Répondez à Sam Christophe. Voilà une réflexion qui me touche. C'est vrai que c'est tellement facile à attaquer la corrida. Bien sûr, oui. On met à mort un taureau dans une arène devant les yeux de tout le monde. Donc c'est très facile à attaquer. Mais bon. C'est-à-dire qu'il est démuni. Non, je comprends qu'on n'aime pas la mort du taureau. La mort du taureau, c'est le point final de la corrida. C'est le dernier acte. S'il n'y aurait pas cette mise à mort, il n'y aurait pas de corrida. Mais quand la mise à mort est ratée, nous les premiers. On la plusieurs fois, bon, mais l'animal attention. Pendant, minutes. Vous savez, moi je suis taureau, mais quand j'allume ma télé. Et quand j'allume la télé et que je vois des barbaries à l'autre bout du monde, même si je suis torero, ben je me lève moi aussi. Je me dis que. S'indigner contre la violence et alors, contre la souffrance. Concrétiquer la corrida, c'est une chose, c'est pas bien important. L'important, c'est de savoir pourquoi il y a de la corrida, pourquoi ça existe depuis des centaines d'années et pourquoi ça continue d'exister. Barbarie. Alors pourquoi la tradition. La barbarie. Mais la tradition, qu'est-ce que ça veut dire? On a les clés de la tradition. Quand on lit des récits, les chevaliers qui partaient aux croisades, c'est superbe quand on le lit. Mais c'était des barbares, c'était des bouchers. De la tradition, c'est moi je ne vois pas ce que ça veut dire. Moi je sais qu'une chose, c'est que moi je suis torero, et quand je rentre dans une arène, ben, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir, madame, je n'ai pas rencontré de taureau sur ma route, avec des cornes, avec... en plastique ou quoi que ce soit. Oh, mais je n'aime pas plus votre sang que le sang du taureau. Je ne vous demande pas de me croire. J'aime vous dis ce que j'ai vécu et ce que je vis. Je ne suis pas là pour vous raconter des histoires, vous savez. Non, mais le taureau non plus, il n'est pas là. On va les retrouver. On revient sur vous, M. Fernandez, après. On va les retrouver, notre télécampus, comme je l'appelle, puisqu'on a posé la question aux jeunes, qu'est-ce qu'ils en pensent sur le site universitaire de Louvain-la-Neuve, ce qu'ils pensent de la corrida. Pour ou contre la corrida? Moi je suis contre, mais j'y connais rien en fait. Tout à fait contre la corrida parce que je trouve ça un plaisir tout à fait barbare et mettre à mort des animaux, je vois pas le plaisir. Contre. En Espagne c'est culturel, mais
Je crois que pour la majorité des gens ici, ça paraît forcément barbare. En Espagne, c'est une tradition, enfin c'est une coutume, donc ça dépend bien sûr si on est espagnol ou pas déjà. Et je crois que c'est la fête nationale, c'est une chose très typique de mon pays. Je pense que ça peut avoir un côté artistique. Je pense qu'il y a une beauté dans le geste. Je pense que les gens qui font ça avec amour et parce qu'ils aiment ça, point de vue artistique. C'est un beau spectacle, mais... Toutes ces souffrances, je crois que ça ne sert à rien. Dans une usine où les taureaux sont stressés parce qu'ils voient tous les autres qui se font abattre devant eux, autant se faire tuer par un art, quoi. J'estime que le torero et le taureau se battent plus ou moins à armes égales. Je trouve ça tout à fait barbare et... Et je trouve ça tout à fait absurde. Je crois que c'est les fêtes dans les règles de l'art. C'est, ça peut être un beau sport, un beau défi. Il y a moyen de montrer sa virilité d'une autre manière que face à des animaux. Alors il y a beaucoup de... Vous êtes très nombreuses et très nombreux à réagir sur le téléphonique, mais aussi sur les fax. Un petit point encore vite fait, Bérénice, avec les fax qui viennent d'arriver. Ah oui, j'en ai submergé de fax. Je vous rappelle le numéro, le 02 773 48 85. Et il y a énormément de gens qui nous posent la question, à savoir, si le taureau gagne, pourquoi doit-il absolument être tué? On demande un petit peu sa grâce. Je voulais préciser. Alors, quand on dit que le taureau perd systématiquement, ce n'est pas vrai. Il y a des exceptions. Il y a un règlement taurin. La corrida est réglementée. Il y a des amendes qui sont distribuées si le règlement, si le bon déroulement de la corrida n'est pas fait dans les règles. Alors, il arrive que dans des corridas, il y a un taureau qui se comporte d'une façon merveilleuse, c'est-à-dire qu'il est très brave, il est très noble, il est très combatif. Et le torero arrive avec ce taureau à faire une grande faena. Il a démontré toutes les qualités de ce taureau à tous les gens qui existent à la corrida et au président, c'est-à-dire à ces deux assesseurs au président qui président la corrida et qui ont le pouvoir, sous la pétition du public, de faire gracier ce taureau. Et ça arrive plus fréquemment que ce qu'on pense. Ce cas, c'est pas médiatisé, on n'en parle pas, mais ça arrive très souvent qu'un taureau soit lutté, c'est-à-dire il est gracié, le taureau rentre, le taureau n'est pas mis à mort, il est toré, quand même, il est banderé, il est piqué, c'est vrai. Il n'est pas mis à mort, il rentre dans les corrales, il sera soigné le soir même et il retournera dans l'élevage où il sera très certainement reproducteur. Donc c'est un peu gêné qu'il soit gracié, là, qu'il n'a rien fait en fait au départ. Oui, ils sont tous courageux. Ils sont tous courageux. Ils n'ont aucune chance de s'en sortir et ils doivent se battre contre quelqu'un. Dans ce cas-là, est-ce qu'on coupe les oreilles au torero? C'est mignon. J'aime bien ce qu'il vient de dire, c'est qu'il y a quand même un règlement. Ouais. Et ça, peut-être qu'on ne le sait pas assez. Ça ne me soulage pas, ça ne me convainc pas, mais quand même, là, il y a un règlement et je trouve que... Il y a un règlement. On assiste quand même à... La corrida, c'est-à-dire que la corrida doit se dérouler de telle façon. Oui. Après, plus ou moins bonne, là n'est pas la question. Il y a un règlement pour l'élevage des taureaux, c'est-à-dire qu'on doit élever des taureaux dans certaines conditions, avec des paramètres bien précis. On ne peut pas envoyer n'importe quel taureau dans n'importe quelle arène. Non. Christine Lemler. Allez-y, refaites la question qu'une caméra vient sur vous. Je pense que vous ne l'avez pas entendu. Quel est le critère du choix du taureau? Alors, le choix du taureau, il se fait par... Le règlement impose dans une arène de première catégorie un minimum de poids requis par un taureau et un âge minimum de 4 ans. Un taureau, tant qu'il n'a pas 4 ans, ne peut pas combattre dans une corrida formelle, dans une corrida de taureaux. C'est le minimum. Ouais. Mais Jean-Luc Fonck. Est-ce que le taureau est entraîné d'une manière ou d'une autre à... Non. Alors ça, il faut arrêter de dire ça. La seule chose qui est vraie... Positif, non, non, non. La seule chose qui est vraie, c'est que la mère du taureau, c'est-à-dire la vache, sera essayée en tiente en privé pour savoir si elle a les qualités de bravoure et de noblesse requises pour pouvoir reproduire. Et son père de talon, lui aussi, est essayé, mais en privé. C'est-à-dire il est essayé par des toreros. Il est piqué, il n'est pas banderillé, il est piqué et toré, voir s'il a de la noblesse. Qu'est-ce que ça veut dire, piqué? Avec le picador, mais il a piqué avec de toutes petites piques, enfin des piques réduites, mais il est beaucoup plus piqué, c'est-à-dire qu'un taureau, le règlement exige trois minimum de piques, et pas de maximum. Le taureau doit prendre minimum de piques dans une corrida. Un minimum, mais s'il a les ligaments coupés, il baisse la tête tout de suite, non? Monsieur Fernandez, il y a de plus en plus ça de... Ça fait 2,60 m de long, les perches, dans l'arène. Écoute, je crois que Marion rigoler. N'ira jamais dans l'arène. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes. Est-ce que c'est gênant ou pas? Vous, les gens, les Catalans et les Espagnols, très fiers, c'est pas gênant de se faire des fois supplanter par les femmes toreros?
Oui, surtout que les deux femmes qui tauraient, Marisara à cheval et Cristina Sanchez à pied, ont beaucoup de qualités, ce sont de grands toreros. C'est vrai que c'est difficile de taurer avec eux parce qu'elles ont beaucoup de qualités. Et nous, on regarde, moi particulièrement, je ne suis pas contre, et je trouve ça vous très êtes bien. Assez macho dans le sud en général, ça doit vous embêter qu'il y ait des femmes dans l'arène. Non, c'est les gens qui disent qu'on est macho. Ça. Vous êtes fiers quand même, hein. D'ailleurs, la corrida, c'est un sport de fier, si on peut appeler ça un sport. Vous savez, quelque part, quand on se lève et qu'on s'habille de lumière, oui. Et qu'on va se jouer la vie, qu'on va affronter un taureau, quand on est capable de mettre sa vie en question sur la table comme ça, peut-être sans gagner un centime, il faut être fier quelque part, il faut avoir un petit peu d'amour propre. Je voudrais que Jeanine Boissard fasse la conclusion de cette première partie. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce qui a été dit? Est-ce que vous étiez pour ou contre la corrida avant? Je ne connaissais rien, j'ai assisté à une corrida et je dis là, j'ai trouvé ça beau, mais c'est l'action du public. Ça m'a paru faire appel à des instincts bas, mais enfin il y a des arts qui sont barbares, c'est vrai. Je ne demanderai pas qu'on l'interdise. De la même façon, je ne demanderai pas qu'on interdise la chasse et je n'aimerais pas chasser, si vous voulez. Mais c'est surtout le courage, c'est vrai, le spectacle a quelque chose de beau, mais... Je trouve qu'on fait quand même appel chez le spectateur à des instincts qui ne me plaisent pas beaucoup. Deuxième sujet tout de suite, après la publicité. Deuxième sujet, la vie des hommes et des femmes sur bébé. Le livre de mémoire de bébé vient de sortir. A-t-elle le droit de dévoiler sa vie privée? C'est la question que je poserai tout à l'heure aux hommes et aux femmes juste après la pub. Ne bougez pas. Ses initiales bébé. Brigitte Bardot a voulu donner le nom d'une chanson de Gainsbourg à ses mémoires. Gainsbourg, dont elle écrit, ce fut un amour fou, un amour comme on en rêve. Ces amours qui défilent au cours des pages, au risque de faire une fois de plus scandale. Elle ne cache rien. Trintignant, il m'apprenait l'amour total. Samy Frey, l'amour profond et destructeur. Ses maris, Jacques Charrier, Gunther Sachs et Vadim, qui, paraît-il, n'aiment pas le livre. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Aujourd'hui, elle a tourné le dos au monde et n'a plus qu'un amour, les animaux. Pourtant, son image reste intacte. Brigitte Bardot, passant derrière vous, à l'époque, vous vous retourniez tellement son charisme était grand. On sentait que quelque chose se passait. Et aujourd'hui, en 1996, il n'y a pas une fille, aucune, qui a le charisme de Bardot. She's a great lady. Éduquer à la femme, c'est un film qui m'a
un peu révéler la femme. La femme avec un grand F. Désormais mariée à un sympathisant du Front National, Brigitte Bardot écrit qu'elle trouve Jean-Marie Le Pen intelligent et sympathique, ce qui lui vaut quelques solides inimitiés. J'ai plein d'amis qui l'ont rentré, qui l'ont même sauté, et ils avaient l'air contents. Elle est très conne, certainement, mais elle est sympa. Ridicule pour les uns, sublime pour les autres, Bardot a vieilli, mais BBL est immortel. Bébé Minus ce soir, toujours avec Marion, qui est là avec nous. Brigitte Durutry, directrice de l'agence Mannequin New. Jeannine Boissard. Monique Malric, présidente du club de Marie-Sara. Sophie Charlotte de Bel RTL. Christine Lemler de Classe Mannequin. Sam Christophe, journaliste. Stéphane Fernandez-Becca, torero. Alexandre Bouguillon, directeur de cirque. Jean-Luc Fonck, chanteur. André-Paul Duchâteau, scénariste. Et Albert Roulet de Namur. Ouais. Eh bien, Rénie, vous avez les numéros de téléphone et les numéros de fax pour réagir maintenant sur bébé. Sur bébé, exactement. Alors, le numéro de téléphone est le 0900 00 210, et le numéro de fax, comme vous voyez, qui fonctionne très bien, le 02 773 48 85. J'ai eu une vie exceptionnelle. J'ai eu une vie exceptionnelle, dit bébé, mais pas une vie, une belle vie. Alors qu'est-ce que vous pensez de bébé? Qu'est-ce qui va parler de bébé? Par exemple, vous, Jeannine Boissard, j'aimerais avoir votre avis sur ce sexe symbole. Moi, je vais vous dire qu'elle raconte toutes ces histoires avec ses amants, pourquoi pas? Il y a quand même quelque chose que je ne lui pardonne pas, c'est quand elle dit mère d'enfant, merde d'enfant. C'est-à-dire? Elle a dit ça à propos du fils qu'elle a attendu, et qu'elle ne voulait pas. À propos de Nicolas, elle a toujours dit, elle crie bien fort dans son livre, qu'elle a rêvé de le perdre. Alors moi, en tant que mère, et comme en tant que... Je ne peux pas supporter ça. Je comprends qu'on ne soit pas mère, qu'on n'ait pas d'instinct maternel. Je comprends même qu'on avorte, parce qu'on peut y être obligé. Mais on n'a pas le droit de dire à un enfant qu'on a eu, qu'on n'en a pas voulu. Elle le répète, et on lui parle de ses petits-enfants. Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle s'en fout. C'est très étrange. Moi, je vais vous dire ce que je pense. C'est une fille qui n'a pas grandi. Entre une éducation très rigoriste et un succès qu'elle a eu trop tôt, elle n'a pas grandi. Et si je peux continuer juste, si elle aime tant les animaux et si peu les humains, je crois que les animaux, c'est des inconditionnels. Elle sera pour un animal toujours la vedette, qu'elle soit belle, qu'elle soit pas belle. Qu'est-ce que voit l'animal? Il voit la tendresse qu'on lui offre. Et je crois que ça a été peut-être sa façon, elle, de rester vedette. Mais je crois, on voit, elle dit toujours, celui-là, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ça dénote, je crois qu'elle est un peu, comment dire, un peu irresponsable, si vous voulez. Elle ne prend pas ses responsabilités. Dur, hein? Ah non, mais elle est belle. Belle, elle a la qualité de la franchise totale. Mais ça aussi, c'est la franchise totale, la liberté totale, c'est les enfants. Parce qu'ils ne sont pas responsables, parce qu'ils ne voient pas le mal qu'ils font. Vous êtes violent. Voilà. Voilà. C'est violent. C'est violent. La vie des hommes est Jean-Luc, peut-être. Bébé, si tu veux, elle était merveilleuse quand elle était jeune et tout ça. Et puis, je sais pas, elle est belle encore maintenant. Non. Bourrin de bande. On dirait. Non, je sais pas. À un moment donné, elle est devenue rombière du jour au lendemain. Et elle est très désagréable. Elle est sûre, comme ça. Femme aigrie. Je sais pas, ne m'amuse pas fort. Puis en plus, bon, elle fait des mauvais mariages, donc. Ouais. Mais c'est vrai que c'est bizarre quand même. Non, c'était une femme merveilleuse. En effet, ce que disait Paco Rabanne tantôt, elle avait une allure absolument stupéfiante. Et c'était en même temps, je ne dirais pas une grande comédienne, mais c'était une actrice, c'était quelqu'un. Il se passait une histoire d'amour entre elle et la caméra, comme on le disait aussi de Marilyn Monroe. Et je trouve tout de même, je crois que Mme Boissard a complètement raison, mais j'ai aimé dans ce livre la franchise. Parce que nous sommes à une époque où il y a tellement de langues de bois, où tout le monde ment, où on ne dit plus rien, on étouffe tout, malgré les outrances, malgré ce qu'elle a d'antipathique parfois, je dis, c'est un tempérament, n'est-ce pas? Et elle a raison d'être franche. C'est vrai que dans son livre, elle n'épargne personne, mais elle ne s'épargne pas non plus. Elle parle de l'échec perpétuellement. Elle est très dure à son égard. Qu'elle a sombré dans l'alcool, elle raconte pas mal de choses, elle se livre quand même pas mal. C'est très courageux.
Je trouve aussi très courageux d'avoir arrêté sa carrière pour s'occuper des animaux et mener un combat difficile animaux. D'ailleurs, je voudrais dire quelque chose qu'elle a dit dans mon livre, La vie amoureuse des stars. La pub. Pardon, Selva Michel. Donc, elle a dit, j'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes, je donne ma sagesse et mon expérience aux animaux. Je trouve ça très courageux. Ben moi, je suis parti, j'ai mis deux cierges à Sainte-Rita en venant. Pourquoi? Pour cette pauvre malheureuse-là. C'est une pauvre malheureuse. Elle a souffert dans sa vie, cette fille-là. Elle n'a rien. Pour elle, Marion. Je ne sais pas pourquoi tu me dis ça, mais je suis tout à fait d'accord, parce que c'est vrai que elle se plaint beaucoup. C'est vrai. Elle nous dit qu'elle a vécu longtemps en prison. Moi, j'aimais bien bébé. Qu'elle a vécu longtemps en prison? Oui, non, dans la prison. Dans la prison. De Saint-Tropez, bien entendu. Elle n'osait pas sortir parce que tout le monde lui tombait dessus. Et je suis passée devant la prison Saint-Léonard, j'ai beaucoup pensé à elle, parce que je me suis dit que c'était moins bien. Mais c'est vrai que j'aimais bien bébé, et Bardot ne me plaît pas du tout, c'est-à-dire que je me fiche pas mal qu'elle considère que Delon a l'air d'une commode Louis XVI. Vous auriez, vous, si vous écrivez un jour vos mémoires, Marion, est-ce que vous oseriez raconter vos amants? Mais pourquoi? Pourquoi faire? Ça regarde que moi et mes amants. Alors voilà, le sujet c'est cela. Pourquoi raconter cela, Sam? Quel est votre sentiment, Sam Christophe? J'ai le sentiment que tout le monde ment sur sa vie sexuelle, et Bardot comme tout le monde. Donc ce qu'elle raconte, c'est comme pipeau, dire. Elle savait bien qu'elle allait faire des choux mauvais. Et c'est un côté racoleur et extrêmement commercial de faire ça. Parce que c'est quand même un très très grand succès de librairie que je vous souhaite, Janine Bossard, même si vous en avez déjà, mais c'est vrai, c'est un très grand succès de librairie. Oui, alors je n'aurais pas en racontant toutes mes aventures qui sont moins nombreuses. Il y a quelques années. Peut-être, je ne sais pas. Madame Monique Malric. Elle n'est pas aimée non plus. D'abord, elle n'est pas là. Bon, donc elle ne peut pas se défendre. Non, monsieur. Elle n'est pas là. Donc elle ne peut pas répondre. Je pense que c'est quand même une femme qui a fait rêver. Elle a fait rêver toute notre. Enfin, la génération. Elle nous a fait toutes rêver. Même si maintenant, je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Parce que, il y a beaucoup de changements dans sa vie. Pour moi, voilà, bébé m'a charmée. Enfin, m'a charmée toute ma jeunesse. Et je l'ai trouvée très belle, on essayait toutes de l'imiter. Sans être hypocrite, on a tout essayé de l'imiter. Mais par contre, maintenant, j'ai plus du tout imité quoi que ce soit de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est devenue. Vous êtes dur, les hommes, quand même, avec Brigitte Bardot. À 62 ans, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui aurait pu se faire des liftings. Elle a toujours refusé d'aller contre la nature. Ben, je ne sais pas si la nature pouvait encore arranger beaucoup de choses. Stéphane Fernandez. Elle aime les animaux, elle ne doit pas trop vous aimer. Non, pas du tout. Je peux quand même dire qu'elle a aimé les toreros. Très longtemps, et de très près. Il y a tellement longtemps qu'elle ne doit plus s'en souvenir, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Elle n'a pas trop parlé des toreros dans son livre, Qu'est-ce que vous pensez de ce livre des mémoires, M. Fernandez? Je ne l'ai pas lu, mais... Qu'elle dénonce comme ça, plein de choses. Est-ce qu'elle a le droit, le média a le droit de faire ça? Je me le demande. C'est ce que je vous demande, Mais je me le demande. Je ne pense pas. Maintenant, il y a une chose qui me choque, c'est de dire que son propre enfant de merde, ça me choque. Et je me dis que si ça, ce n'est pas un acte de barbarie... Oui. Ne soyons pas des magots, parce que c'est vrai que c'est une vraie... Janine Boissard, c'est une période de la vie de Bardot, mais je veux dire que c'est une période de grande dépression dans sa vie. L'arrivée de cet enfant, c'est quelque chose qu'il n'y a pas... Donc je veux dire, là, vous êtes dur quand même. Maintenant. Elle le redit maintenant. Elle le répète. On lui a posé dans une interview la question. Oui. Et elle redit, elle dit, c'est un homme bien. Mais comme s'il était lointain, on lui pose la question avec vos petits-enfants. Lui, ça ne m'intéresse pas du tout, si vous voulez. Monsieur Bouglione. Elle est bête, elle en a épousé une. Monsieur Bouglione, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez quelqu'un qui défend la cause animale, ça doit être quelqu'un qui vous touche quand même? Moi, je pense qu'elle a eu une chance extraordinaire. Une chance extraordinaire, parce que comme comédienne, pour moi, elle n'était pas fantastique. Comme chanteuse, elle était nulle. Et qu'elle a arrêté sa carrière parce qu'on l'a poussée, je pense, un peu à l'arrêter. Elle n'avait plus grand-chose à tourner. Et alors, elle s'est occupée des animaux. Puis comme ça, on a quand même encore continué à parler d'elle. Puis maintenant, elle écrit un livre pour qu'on parle d'elle. Oh, vous êtes salaud, quand même. On va aller voir Bérénice. Que dit le public?
Alors, le public, j'ai fait un petit sondage tout à l'heure, à savoir Brigitte Bardot, dans le livre qu'elle vient de publier, révèle ses prouesses sexuelles avec des hommes qui ont partagé sa vie. En avait-elle le droit, oui ou non? À 51%, le public ici présent nous dit oui, elle en avait le droit. Et à 49%, on nous dit non. Alors, j'ai l'avis de Jacqueline, qui a 5 ans, qui habite Uccle. Qu'est-ce qu'elle dit alors, Jacqueline? Alors, Jacqueline nous dit que du temps où elle était vedette, c'était très bien. Son combat pour les animaux aussi. Mais son livre, c'est pour se faire de la pub et de l'argent. Ce n'est pas très élégant. Ouais. J'ai également Pascal, la vie d'un homme qui a 27 ans et qui habite à Waterloo. C'est indécent de raconter ses histoires de fesses dans un livre. Et alors, Cotax, j'ai Jean-Marc... Cotéfax, pas fax. Cotéfax. Vous trompez pas, oui. J'ai Jean-Marc de Liège qui nous dit que... elle critique les hommes qui seraient les destructeurs de sa vie, mais d'un côté, elle en a bien profité pendant quelques années. Ouais, c'est bon. Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, Agnew? Tiens, donnez-nous votre avis sur... Pardon, quel est votre sentiment? Moi, je trouve que chacun est libre de raconter sa vie, mais je trouve que personne n'a le droit de raconter ce que les autres n'ont peut-être pas envie qu'on raconte. Donc, qu'elle raconte sa vie, qu'elle raconte ses fantasmes, mais qu'elle raconte peut-être pas des choses qui dévoilent la vie d'autres personnes. C'est vrai qu'elle liberté, balance pas mal. C'est aussi la liberté des autres, quoi. Ouais. Ça, elle est pas fou. Je peux vous dire quand même, Marion, vous qui aviez une envie avec Warren Beatty, il paraît que c'est pas terrible. Hein. Avec qui? Warren Beatty. Je me souviens pas. Trintignant, Sammy Frey, Gainsbourg, c'était très bien. Ah, ça, ouais. C'était pas mal. Ouais. Vous le saviez? Ah, bah, tiens. J'ai choisi mes films comme mes amants, dit André-Paul Duchâteau. Oui, c'est vrai, mais encore une fois, je trouve cette liberté assez extraordinaire. Et moi, je lui pardonne beaucoup de choses parce qu'elle a fait rêver, en effet, une génération d'amateurs de cinéma. Et ça reste, en effet, une beauté extraordinaire. Et la liberté de parler, la liberté d'écrire, la liberté tout de même de décrire sa vie, moi, je crois que les êtres doivent l'avoir. Et puis, la liberté de l'acheter aussi. Et la liberté d'acheter. On n'est pas obligé d'acheter son livre. Je ne sais pas qui achète, vous critiquez tellement, je ne sais pas qui achète ce livre. Moi, je n'ai pas acheté. C'est un gros succès. Vous l'avez acheté. Est-ce que quelque part, elle ne tue pas le mythe bébé, là, quelque part, en faisant ce livre? Si, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est parfois assez pénible. Mais encore une fois, la vérité, c'est le titre d'un de ses films, d'ailleurs un de ses meilleurs films, cette vérité vaut la peine, à mon avis, justement, que ce soit un document. C'est un document, c'est presque un être humain, c'est un être humain et c'est un monstre en même temps. Et elle cite la phrase de Cocteau qui est très belle, en disant, n'est-ce pas, elle vivait comme tout le monde, mais elle était comme personne. Est-ce que, par exemple, chez Sophie Charlotte et chez Sam Christophe, qu'est-ce qu'elle représente encore pour vous, bébé Brigitte Bardot? Bah, disons, quelques beaux souvenirs, dans le mépris, une scène de fesses qui était quand même franchement réussie. De Godard. Oui. Le mépris, c'est de Godard? Oui, de Godard. Ouais, très très belle scène, je vous la recommande. Oui, oui. En tant qu'interprète, ben, je m'inscris en faux par rapport à ce que M. Bouglione a dit. Je trouve qu'au contraire, c'était vraiment une chanteuse qui avait quelque chose de très très personnel. Ce n'était pas techniquement quelqu'un de drastique, mais c'était une vraie interprète. Jean-Luc, ça, Jean-Luc sans aucun problème. C'est vrai que c'était quand même très très sympa. C'était un truc d'un situé naïf comme ça et en même temps tellement faux que ça devient juste, enfin, extraordinaire, quoi. Sophie Charlotte, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment l'image de la beauté. Peut-être plus vraiment maintenant, mais en tout cas, elle a été très belle dans les années 70, même 80. Et puis moi, j'ai toujours été marquée par cette image où on la voit avec un bébé phoque. Et là, je suis marquée à vie. Voilà. Ah oui, ça. Dans le Ranamur, on l'appelait par bébé, on l'appelait Belle Botroule. Ce qui veut dire belle botte, beau nombril, belle botte roule. C'est comme ça. Vous l'appuyez comme ça. Ah ben c'était quoi, elle l'a marqué notre jeunesse, nous autres avec le phoque là. Bouge-toi, hein, deux. Bon, d'accord. Il avait raison. Ça, c'est Christine Lemley, et puis on passe au sujet suivant. Mais c'est courageux. Moi aussi, pour moi, c'est un mythe. Et elle est la carne, la féminité, la femme, tout. Bah, vive bébé et Bardot. Bah, oui. Moi, bien. Ouais, voilà. Les hommes choisis par les femmes, les hommes et les femmes de la semaine, tout d'abord, le choix des hommes. Les Diables Rouges en route vers Paris. Albert, succès d'audience. Victor Horta, génie. Phil Collins, album événement. Alors, les femmes, vous savez qui arrive en tête? Vous avez mis ex aequo le roi Albert, Phil Collins et Victor Horta. Et en dernier, les Diables Rouges.
Vous aviez voté pour qui, vous, Marion? Pour Horta et les Diables Rouges. Oui. Ah, vous êtes déçus, alors ils arrivent en dernière position chez les femmes. Bah, il y a quand même les Diables Rouges. En dernière position. Ah bah, j'ai un point sur deux. Bon, merci. Vous aviez mis qui, vous, Phil Collins. Phil Collins, c'est vrai que c'est l'événement, un album qui vient de sortir, oui, après 3 ans d'absence. Ah oui. Ouais. Vous aviez mis qui en dernier? Et en dernier, j'avais mis, je crois, les Diables Rouges, parce que le foot, ça ne me passionne pas du tout. D'accord. Et alors, et vous, Madame Boissard, Janine Boissard? Eh bien, les Diables Rouges, c'est bien le football? Oui. Tout à fait, oui. Oui, alors, je les ai mis en dernier parce que je ne m'y intéressais pas beaucoup. J'ai mis l'architecte en premier parce que je trouve que c'est un superbe métier. Je crois qu'il fait quelque chose de très beau. Ouais. Et puis, Albert. Le roi Albert. Le roi Albert. Parce que je crois qu'il continue un peu sur la... J'aime énormément Baudouin. Oui. Il faut dire que nous avons eu chez nous une émission qui a été diffusée, ouais, je pense, c'est ça, avant-hier sur un reportage sur le roi et la reine. Et c'est vrai qu'il y a eu un succès énorme d'audience, plus de 38% de parts de marché sur cette émission. Et c'est vrai que nos souverains intéressent énormément dans notre pays. Vous aviez mis qui, madame Mais Malouik? Moi, écoutez, c'est vrai que j'avais mis aussi les souverains parce que je les trouve très bien. Je trouve que c'est un pays où ils ont une... Ah, ça vous manque, ça, non, ça ne me manque pas du tout. Non, ça ne me manque pas du tout. Je n'ai pas du tout envie de voir revenir. Non, mais je trouve qu'ils sont vraiment très, très bien. Ils sont très démocrates. Je les trouve très bien. Sophie? Moi, j'ai voté pour Victor Horta. Victor Horta, hein? Oui, parce que j'hésitais entre le roi Albert et lui, mais je me suis dit Victor Horta, il n'a pas été reconnu pendant qu'il vivait, donc voilà, lui. Et en dernier? Voilà. En dernier, Phil Collins. Ah, pourquoi? J'aime pas. Ah, bah, bravo. Christine Emmer? Moi, j'avais mis en premier Phil Collins, et en dernier, les Diables Rouges, parce que j'aime pas du tout le foot. Ouais. Et le roi Albert? Deuxième position. Ah, quand même, oui. Vous étiez en Belgique, il fallait quand même le faire. Hein. Bravo. Alors, maintenant, les femmes, je vais les hommes. Eliane Lickendal, femme de fer contre le juge. Elsa, le retour. Paola, succès d'audience. Rita Utsukanen, la ministre est torride. Et les hommes, vous avez mis la Finlandaise en tête, Rita Utsukanen, c'est ça, qui va peut-être être la présidente de la... qui a aussi fait un livre de révélation, un peu comme Bébé, où elle raconte tout, raconte qu'à 58 ans, eh bien, on peut encore faire ça, du sang agréable. Voilà, vous l'avez mis en... Avec son mari. Avec son mari. Ça suit tout de suite Perpéam. Avec beaucoup de gens. Avec son mari, ce qui est quand même beaucoup plus grave. Vous savez lire le finlandais, Marion, maintenant. Quoi? Vous savez lire le finlandais, maintenant? Ce qui est beaucoup plus rare avec son mari, je l'ai entendu, vous savez. Vous avez mis qui, Sam, en premier? Moi, j'avais mis Eliane Lickendal, mais un peu par provocation, et parce que je m'étais dit que personne ne, ne la mettrait en tête. Et en dernier, j'ai mis Paola, parce que la royauté, c'est pas mon truc. Vous n'avez pas du tout regardé l'émission sur RTL? Ah non. Ça, mais je crois qu'elle peut repasser une dizaine de fois, je ne la regardais toujours pas. Vous n'aimez pas nos souverains? Ben, c'est pas que je les aime pas, j'y suis tout à fait indifférent. Monsieur Fernandez? Moi j'ai mis Elsa. Elsa? Ah. Pour quelle raison? J'aime bien. Oui? C'est vrai qu'elle revient, après avoir fait un bébé ou deux? Elle a fait un, je crois. Je crois qu'elle en a fait qu'un. Et en dernier? Je ne pardonne pas avec l'accent. Je crois que j'ai mis Rita. Vous avez mis Rita? Je crois. Oui? Vous n'êtes pas sûr? Je suis sûr, mais je suis sûr d'Elsa. Elsa, Rita. Vous, Alexandre? Moi, c'est le contraire. J'ai mis Rita en premier parce que je trouvais ça marrant. Et j'ai mis Elsa en dernier parce que je la trouve pas terrible. Sur leur tour. Ouais. Jean-Luc Fonck? Mais j'ai mis cette dame finlandaise aussi en premier parce que ça m'amusait, cette histoire de la femme qui raconte les histoires avec son mari. Je les vois jamais les deux. Je les vois jamais les deux. Tu sais, et ça, on note, tu vois. On note et après, elle prend les photos pour pas oublier. Sur les je trouve ça amusant, quoi. Et en dernier? Je ne sais plus qui j'ai mis en dernier. Aucune mémoire, même quand tu chantes tes textes. André Paul du Château. Moi aussi, j'ai voté pour Rita parce que j'ai trouvé qu'elle était extraordinaire, autant plus qu'elle est demi finlandaise, ça dure très longtemps, je crois. Hein. Et en dernier, moi, si je ne me trompe. Et en dernier? Oh, je crois que c'est Phil Collins. Phil Collins en dernier. Oui, les femmes. Oui. J'ai mis la juge. La juge, voilà. Eliane Lickendal. Oui, et vous, Albert Olive? Moi, j'ai mis la juge pour commencer, un peu provoque aussi. Et puis justement, la petite baiseuse de 52 ans, là. 58. 58 ans. 58 ans. Oui, et pourquoi vous avez mis Eliane Lickendal en premier? Bah, par provocation, d'abord, parce que j'aurais envie de... On est sérieux une minute. Hein. Oui, on est tout à fait sérieux. J'aurais envie, quelque part, de jouer le jeu contre elle et de dire tiens, on va garder Kondrot et on va garder tout cela. Et puis, les droits de l'homme sont tellement forts qu'il faut un peu porter cette histoire-là et dire même si c'est un peu contre notre volonté,
Il faut accepter que la loi soit la loi de telle manière que l'équité reste la même pour tout le monde. Voilà. Voilà. On en reste là pour ce sujet. Alors quand on mélange le top des hommes et des femmes, car nous avons demandé aussi aux hommes de voter pour les hommes et aux femmes de voter pour les femmes, arrive en tête la reine Paola, Victor Horta en second, Albert et Rita Osukenen en troisième position. Voilà. Vous surprend personne, non? Janine Bossa. Non, arrête. Vous n'avez qu'à écouter. Paola arrive en tête, en tout cas, quand on mélange les deux votes, celui des femmes et celui des hommes. Victor Horta, ça rappelle un très beau billet, donc je suppose qu'il avait un petit avantage au départ. C'est vrai. Alors, maintenant, on va faire une page de publicité, puis on va se retrouver avec quelqu'un qui est assez particulier. C'est un médecin qui, depuis 5 ans, sur une chaîne de radio française, eh bien, donne des conseils aux jeunes qui l'appellent sur cette antenne. Des conseils, des fois, un petit peu rudes, puisque l'émission mélange un petit peu le sexe hard et le sexe conseil. Dans un instant, le doc sur cette antenne. J'ai les applaudissements d'Arnold. Et tout de suite, Claudie, 36 ans de Bordeaux. Allô, Claudie. Salut, Claudie. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Voilà, j'aurais voulu des petits conseils parce que je suis la maman d'une adolescente de 13 ans qui a de l'acné depuis l'âge de 8 ans. Alors, c'est une maladie à part entière qui touche un adolescent sur deux, à des degrés variables. Voilà, ce que je te conseille, c'est de trouver un médecin, va à l'hôpital peut-être s'il le faut, va voir ton médecin généraliste pour trouver quelqu'un qui accepte de prescrire le Roaccutane, mais sous surveillance médicale, parce qu'il y a quand même une contre-indication, une surveillance hépatique notamment, à voir très précisément. D'accord. Voilà, bon, t'en vas. Qu'est-ce que tu fais derrière, toi? Non, j'ai une devinette pour vous. Quelle est la différence entre un B et une bite? Le B est une consonne et la bite, c'est une consus. Oh, elle est mignonne. Jessica découvre les blagues que tout le monde connaît depuis 1982, tu vois. Et bon, Valérie, 24 ans de Toulouse. Bonsoir, Valérie. Salut. Tu as des relations avec des filles? Oui. Tu as même une relation suivie, d'après ce que j'ai compris aussi. Depuis un an et demi avec la mère. C'est une histoire d'amour. Pendant 5 ans, et puis au bout de la cinquième année, il y a eu une relation. Et qu'est-ce qu'elle pense qu'il y a, j'imagine en tout cas, une relation homosexuelle avec toi? Oui. Qu'est-ce qu'elle pense du fait que... Oui, oui. Au jour d'aujourd'hui, bien sûr, et au jour d'aujourd'hui et au jour de demain, lorsque tu auras l'apparence de garçon, si ça t'arrive, c'est vrai que ça peut arriver, comment va-t-elle réagir que tu seras un mec à ce moment-là? Elle répond quelque chose que je trouve très très bien, c'est qu'elle m'aime pour ma personne et non pas pour mon sexe. Voilà le doc. Le doc dans son studio de radio à Paris. Et Bérénice, des fax arrivent aussi sur le doc. Ah, oui, j'ai Jean-Marc de Liège, qui a 32 ans, qui est très rapide. Et qui nous dit, je suis d'accord avec le docteur, car les jeunes ne posent pas ou n'osent pas poser les questions de sexe et de relations avec leurs parents. Les trois quarts du temps, c'est le blocage du côté des parents. Alors, ou bien ils sont occupés, ou ils n'ont pas le temps, ou bien c'est le traditionnel, on en reparlera quand tu seras plus âgé, alors pourquoi pas en parler à la radio. Ouais, alors Jean-Luc Fong, vous connaissez le doc ou pas? Enfin, je connais de l'émission, mais je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée, dans le fond. C'est vrai que plutôt que demander conseil à des gens qui ne répondent pas ou bien à des gens qui répondent n'importe quoi, là, normalement, il est médecin quand même, donc c'est pas un type qui... pourquoi pas? Est-ce qu'il donne des bons conseils? Je crois. Je sais pas, qui l'écoute? Vous l'écoutez des fois, Janine Boissard? Jamais? Vous l'avez déjà écouté? De temps en temps, mais il est en même temps rassurant, réconfortant. Et c'est vrai que des gens n'ont pas cette démarche d'aller voir un médecin et de s'écouter au téléphone, c'est beaucoup plus facile. Oui, j'ai dit, vous le regardez? Vous l'écoutez de temps en temps? Il est arrivé de l'écouter. Je crois qu'il n'y a rien de plus affolant, plus effrayant pour un adolescent que de parler de la sexualité. Et je trouve que c'est très bien qu'il y ait un homme qui puisse parler de façon tout à fait banale, tout à fait anecdotique, qui répond à toutes les angoisses des gamins. Je trouve que c'est très bien. Bon, il a son langage qui est très cru, qui est très vert. Enfin, c'est pas lui, c'est surtout les animateurs. Je crois que c'est très très important de pouvoir répondre à toutes ces questions. Je l'ai rencontré à Paris, regardez un peu ce qu'il nous dit. C'est Christian Spitz, vous trouvez, non, doc? Spitz, ouais. Mon père est alsacien, oui. Ouais. Voilà. Vous avez combien d'enfants, docteur? 4 enfants, 4 garçons. Et vous n'êtes pas sexologue, vous êtes pédiatre? Ah oui, oui. Ah, vous êtes devenu quand même une star, c'est vrai, parce que vous avez fait des émissions de télévision. Un petit peu. Est-ce qu'on peut être star et crédible? C'est possible ou pas? Je dirais star et crétin, non, je ne suis pas, mais je ne suis pas star et je suis crédible. Oui, enfin, moi, je suis en accord avec moi-même, dans mon personnage. Vous avez une ligne de conduite? Oui. Ah oui, tout à fait. Sinon, je serais beaucoup plus riche.
Vous vous sentez crédible tous les jours à l'antenne ou pas? J'essaye d'être moi-même et d'écouter, oui. Enfin, je me pose pas la question. Parce qu'en fait, à la radio, on a des auditeurs. Moi, je les écoute. Comme je peux avoir des gens au téléphone, et ça m'arrive souvent, puisqu'ils m'appellent aussi là où ils peuvent me joindre en dehors de la radio. Et j'essaye au maximum d'être dans leur histoire. Je ne suis pas en train de me dire, par exemple, est-ce que je dois dire ça plutôt que ça parce que ça va faire de l'audience. J'essaye de rentrer à fond dans l'histoire, d'écouter, de ne pas intervenir sur des problèmes un peu épineux, d'essayer de faire avancer. Voilà, mais... C'est quand même pas un peu du voyeurisme de l'oreille, quand même. Non, je ne crois pas, mais oui, il y a des gens qui peuvent écouter pour ça, mais je pense pas que la majorité des gens qui écoutent, et ils sont nombreux, écoutent pour ça. Est-ce que vous parliez de cul avec vos parents alsaciens quand vous étiez gamin? Du tout, non. Donc c'est une frustration, alors? Non, pas du tout, parce que avec les parents, c'est pas facile. En revanche, si, voilà, ça je vais vous répondre. Alors très clairement, j'en ai entendu parler en 6e, alors je savais pas comment on faisait les enfants, et pas de la manière la plus poétique. S'il n'y avait pas eu ces mots dans le Vinfone, si, des mots choquants, des mots heurtants quand même certaines fois, vous n'auriez pas eu l'écoute que vous avez? Ben, je me pose la question. J'en suis pas tout à fait sûr, parce que ça a évolué justement, et que ces mots choquants ont disparu, et qu'en revanche, ça lassait. C'est la raison pour laquelle vous avez viré Difool? Ah non, surtout pas viré, il est parti, il a démissionné. D'ailleurs, on était un peu triste parce qu'il l'a fait très brutalement sans vraiment prévenir. Est-ce que vous vous sentez rebelle? Je crois un peu quand même. Ouais. C'est-à-dire que quand même j'ai 46 ans, donc étant que je vis à ma cutie, mais je crois qu'il faut quand même savoir s'étonner un petit peu et puis ne pas avaler trop de couleuvres. Quelle est la question qui revient le plus fréquemment de la part de vos auditrices et auditeurs? Je crois que c'est vrai que je peux dire quand même une chose sur l'aspect global des questions. Quand il y avait Difool, les auditeurs qui passaient étaient quand même des petits mecs machos, les filles avaient intérêt à se tenir à carreau, entre guillemets, cela dit. Depuis qu'il y a une fille, on a des garçons qui viennent et ils parlent plus avec leur cœur. On a le sentiment qu'ils ont moins peur d'être ridicules parce qu'ils osent dire qu'ils vont aimer ou qu'ils ont une peine d'amour, des choses comme ça. Mais ça tourne tout de même... ou autour de l'angoisse quant à leur corps qui est nouveau et qui ont du mal à accepter en tant que tel. Donc c'est des questions qui tournent, j'ai le nez trop grand, j'ai pas assez de seins, j'ai une verge trop petite, des choses comme ça. Donc ça c'est directement avec la sexualité. Puis autour de l'affectif, c'est j'arrive pas à aimer, j'arrive pas à sortir, enfin ils disent pas j'arrive pas à aimer, mais j'arrive pas à me faire une meuf. L'affectif est important. Ah oui, très important. Oui. Vous êtes subversif ou pas? Je crois qu'il faut l'être un petit peu, mais de manière qu'il faut être constructif quand même. Voilà le doc. Le doc. Stéphane Fernandez, vous l'écoutez là-bas chez vous c'est à Nîmes que vous à êtes. À Nîmes, ouais. Oui, je l'écoute de temps en temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous apprenez souvent. Des choses Souvent. Ouais. Mais j'apprécie beaucoup, je trouve que c'est très sincère, il dégrossit beaucoup de travail. Et je trouve que c'est bien de parler de la sexualité, des problèmes que cela peut engendrer. Moi, je trouve ça très très bien, et je sais que des fois, après les corridas, ça me détend, et puis je trouve ça très très bien. Alex Blouguillon, vous écoutez? Moi, votre fille écoute. Non, moi je suis un peu arriéré, quoi. Je trouve qu'il faudrait un peu arrêter un peu la violence et le sexe à la télévision, ou à la radio, je sais pas où c'est cette émission. C'est à la radio. À la radio, ouais. Je crois que où il y a de l'audience, je crois qu'il faudrait un peu... On a assez eu dernièrement de problèmes, je crois. Et vous parliez il faudrait sexe mettre un petit quand peu... vous étiez jeune avec vos parents? Pas du tout. Mais enfin, je ne sais pas rien de ce côté-là. Marion, Je crois que précisément, on parle peut-être beaucoup du sexe, mais on en parle souvent mal. Et au nom de la morale, je crois qu'on dit aux jeunes que finalement, la sexualité, le sexe, c'est sale. On ne parle pas d'amour. Et ça, c'est important parce que je crois que si tous les jeunes... avait un père comme le doc, il y aurait moins de vicelards plus tard. Mmh. Parce que le silence sur le sexe, c'est pas la bonne méthode non plus. Ouais, je Jeanine Boissard. Excusez-moi de vous interrompre, mais pour répondre à Alexandre Bouguillon, je crois que justement c'est grâce à des émissions comme ça qu'il y a peut-être moins de dégénérés. Parce qu'il dit les choses très... On a dit qu'il y a des gens qui écoutent par vice aussi ces émissions, je crois. Oui, mais je crois que c'est pas une émission de provocation gratuite, c'est tout simplement pour répondre. De façon peut-être un peu crue, mais ouais. Pour répondre. Simplement à des adolescents. Moi, je pense que toute la difficulté, c'est à la fois d'être prêt à aborder toutes les questions. J'ai quand même entendu une ou deux fois, alors c'était vraiment des questions, je fais l'amour avec mon chien, vous voyez. Et c'est vrai, une fois j'ai... Tu me dis bien ? Si, mais juste, voilà.
C'est vrai, bébé aurait sursauté. Toute la difficulté est de pouvoir tout entendre, mais de pouvoir dire très clairement que tout n'est pas possible, que tout n'est pas bien, tout n'est pas permis. Pardon, c'est à vous la mère et la grand-mère qui parlent, mais c'est aussi l'écrivain qui va. Je vais beaucoup dans les collèges, dans les écoles, et les enfants, les adolescents ont vraiment besoin de repères. Et si on leur dit tout est acceptable, tout est bien, ils ne savent plus où ils en sont. Vous voyez, c'est là où son rôle est certainement difficile. Sam-Christophe. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Rarement. Je crois qu'il joue uniquement sur le langage. C'est-à-dire qu'il y a un langage un peu jeune et on parle plus volontiers bite et couille que verge et testicule. Et que c'est le ton de l'émission. Et lui, je trouve qu'il a l'avantage, quand il était avec Difool, évidemment, d'abord, je trouve qu'il fait parler les jeunes et que c'est très bien, qu'il faut les faire parler. En plus, il parle d'amour. Et quand ils sont tous à parler de sexe et que Difool en rajoute des masses, puisque je crois qu'ils font vraiment une différence pour la montrer, lui parle d'amour aux jeunes et je trouve que c'est la chose la plus importante. Ouais. Ça dit, la question de savoir s'il est subversif ou pas, là, ça me fait un peu doucement rigoler, parce que là, je ne vois pas très bien en quoi il peut se considérer comme quelqu'un de subversif. D'autres réflexions, Jean-Luc Fonck, non ? Non. On en reste là, sur le doc ? Donc pour vous, il est utile, il est donc... Je sais, parce qu'il s'est occupé d'une de mes nièces, qui travaille comme pédiatre dans une clinique très très religieuse, et que les religieuses l'adorent. C'est vrai ? Ah, absolument. Vous croyez qu'elle l'écoute ? Sans doute. L'animatrice a raconté une histoire qui doit choquer quand même les religieuses. Oui, elle l'aime beaucoup. Tu as compris l'histoire ? Tu as compris tout à l'heure. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vais faire un peu de publicité pour mes invités. Pour Christine, viens vite avec ta caméra. Ah, tu cours ? Non, hein, t'es en retard. Christine Lemler, La vie amoureuse des stars, séduction, sexe, désir, fantasme, leurs 1000 petites phrases interdites. Tu en as quelques-unes, Christine ? Quelques titres, la même chose dans ton livre, il est tard maintenant, tu peux y aller. Oui, alors, voilà, Einstein, oui. Par exemple. Quand on fait l'amour pendant une heure avec une belle fille, on a l'impression que ça a duré 5 minutes. Et quand on prend le thé 5 minutes avec une fille laide, on a l'impression que ça a duré une heure. Eh bien, la relativité, c'est ça. Un bel exemple. La vie amoureuse des stars, donc, Christine Lemler. Une femme en blanc. Car livre, j'avais reçu Jeanine Boissard à la radio il y a quelques temps, Une femme en blanc, l'histoire de Margot, ce chirurgien. Un best-seller, une fois de plus, chez Robert Laffont. Ma chère Jeanine, vous me disiez tout à l'heure, avant de débuter l'émission, que ça va être porté à l'écran, à la télévision, c'est cela ? Oui, il va y avoir un grand film qui va sortir en mars-avril. Je pense que Sandrine Bonner a tenu absolument le rôle du chirurgien. C'est la première fois qu'elle joue pour la télévision et je crois que ça va être très beau. Merci beaucoup, Jeanine, en tout cas, de votre talent. Stella, l'album de Stella, qui est sorti il y a déjà quelques temps. Stella, c'est la fin de la tournée de Stella. Oui, encore deux dates. Demain soir. Demain et samedi. Et samedi, ça va être le grand spectacle. Ça va être terrible. Ça se passe au samedi. Au théâtre 140 à Bruxelles. La fin de la tournée après le repos de 2 ans. Un an. Enfin, repos, vite dit repos. Encore, il faut écrire et composer, tu sais comment ça va, quoi. Oui, c'est du boulot. Merci Jean-Luc Fonck. Ricochet, l'heure du kidnapping. L'heure du kidnapping, c'est la 100e aventure de Ricochet. C'est le 50e album. Thibet va bien ? Il va très bien, merci beaucoup pour lui. Merci à vous, Henri Paul du Château, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le cirque Alexandre Bouglione plante son chapiteau Place Flaget comme chaque année. Dès demain, il sera là, le cirque Bouglione, et est installé déjà maintenant avec un spectacle nouveau, un grand spectacle, je crois. Entièrement nouveau, c'est toutes les attractions qui ont été officielles de Monte Carlo qui ont été récompensées. Et je crois... Attends, nouveau, mais il y a quand même le gros éléphant l'an dernier. Ben oui, parce qu'il a été à Monte Carlo, il a eu le clown d'argent, alors on l'a repris. Sophie Charlotte, elle est toujours sur Belle RTL. Je peux dire quelque chose. Oui, le jeudi, dans Belle Après-Midi, on essaye aussi de faire parler nos auditeurs avec Dominique Philippard, que vous avez reçu ici, d'ailleurs, Hervé. Elle vient tous les jeudis à 14h, et on invite tout le monde à parler. C'est sur Belle RTL, bien entendu, 13h30 à 15h. Belle après-midi, Sophie Charlotte. Albert Olive expose ses orgues de barbarie à la Citadelle de Namur, parce que, outre l'humoriste qu'il est, en plus de ça, il est facteur d'orgue. Je fabrique des instruments de musique mécanique. Sam-Christophe, on retrouve ça. Et puis, il y aura une très belle exposition à Tourine-la-Grosse aussi, qui va durer tout le... Non, mais c'est pas une blague. Non, mais Tourine-la-Grosse, ça fait déjà rire. Bah oui, mais ça fait déjà rire. Surtout dans votre bouche. Ce sera à Tourine-la-Grosse et c'est durant tout le mois de novembre. La signature, bien entendu, de Sam-Christophe dans les différents journaux, La Nouvelle Gazette, La Meuse et La Province. Marion, bientôt théâtre. L'agence New était représentée aujourd'hui par sa patronne Brigitte.
Brigitte Duritti. Et puis je remercie bien nos amis français d'être venus, parce que c'était pas facile de relever le débat et de relever le défi aujourd'hui. Monique Malric, présidente du club Marie-Sara, vous saluez bien Marie-Sara de notre part. Et puis vous, monsieur Stéphane Fernandez, Meca, Torero de Montpellier, c'est ça? De Nîmes, bien sûr. Merci mesdames, merci messieurs. À jeudi prochain, salut.